La Sonatrach n'a pas raté l'occasion pour assister à la 6e édition du Salon de la sous-traitance industrielle Algest 2021, dans une option qui reflète les initiatives du géant algérien de l'énergie dans sa stratégie de localisation nationale de certains services, et ce, pour accorder une part significative de ses projets à des entreprises algériennes. Sonatrach, elle va, c'est-à-dire, hisser le niveau des sociétés locales ici en Algérie. Ça, c'est l'objectif principal. C'est-à-dire la participation de Sonatrach ici pour donner une visibilité, une vision aux différentes sociétés qui sont actives ici en Algérie. À travers sa nouvelle stratégie, Sonatrach ambitionne de mettre au moins 30% de certains projets à disposition des entreprises locales. Un chemin que le groupe pétrolier a commencé d'attribuer plus de 2000 contrats d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars depuis 2020. Sonatrach maintenant, elle est en train de promouvoir le contenu local. C'est-à-dire le contenu local, promouvoir le contenu local, cela va donner des bénéfices pour Sonatrach en matière de la réduction des coûts. Et Sonatrach a lancé un programme qui s'appelle Cost Optimization System Tracking, qui a pour but d'optimiser les coûts en interne de Sonatrach, en se basant sur 4 piliers principaux. Par exemple, les ressources internes de Sonatrach, le partenaire local, le partenaire étranger et le 4e pilier, qui est pas moindre, c'est le transfert technologique. Les coûts des contrats de la sous-traitance dans divers domaines s'élèvent à environ 13 milliards de dollars annuellement. Une facture faramineuse que le groupe Sonatrach veut convertir en revenus dans les bénéfices des entreprises algériennes à travers le portail de manutention industrielle et de services.